des troubadours déambulent dans le Metallurgic Park à l'occasion de la 5e édition du week-end médiéval. Démonstration d'un forgeron, d'un facteur d'arc, ou encore formation à l'école des écuyers. Moi, Thibaut IV, comte de Champagne et seigneur de Chaumont, par Saint-Michel et par Saint-Georges, qui sont nos deux plus grands chevaliers, je te fais écuyer. De multiples animations ont plongé le temps d'un week-end les visiteurs en plein cœur du temps des chevaliers. Déjà, on n'était jamais venu sur le site du Metallurgic Park et on voulait voir un petit peu la fête médiévale, découvrir les métiers, etc. C'est très sympa pour l'instant. On aime tout ce qui est les coutumes médiévales, leur musique. Là, c'est un bond en arrière, c'est formidable. J'ai appris des tas de choses, la fabrication d'un arc, la fabrication de bijoux, cette technique qu'ils avaient. Nous avons Internet, nous avons des logiciels. Et eux, ils avaient des idées, ils arrivaient à faire leurs outils avec n'importe quoi quasiment. Faire découvrir aux petits comme aux plus grands les différentes facettes du Moyen-Âge, c'est le but de cet événement. Il se déroule à Metallurgic Park, alors l'accent est mis sur les métiers du métal. On organise ce type d'événement puisque ça nous permet de rappeler en fait l'origine médiévale de la métallurgie. En fait, il faut savoir qu'ici à Dommartin, par exemple, on a les premières forges qui commencent au XIIIe siècle, donc c'est très ancien. Et en fait, évoquer ce thème-là, c'est aussi revenir en fait à l'origine, presque à l'origine, je dirais, de la métallurgie en Haute-Marne. Pour faire revivre cette époque, des passionnés transmettent leur savoir-faire, comme Steve, orfèvre médiéval. J'ai un petit creuset dans ma forge où il y a de l'argent qui est prêt à être fondu pour faire une petite boucle de chaussures. Donc l'or et l'argent, ce sont des métaux précieux. Et puis on va travailler également le cuivre et tous ses alliages, comme le laiton et le bronze, pour en faire des œuvres d'orfèvrerie, donc que ce soit des boucles de chaussures, des ceintures, des bagues, des fermeaux, donc ceux qui servent à fermer le vêtement, généralement au col. J'ai du rhumatisme, il faut me trouver une potion qui me fasse du bien. Alors ils avaient ramassé toutes les plantes qu'ils trouvaient sur le sol. Une des nouveautés de cette année, c'est la venue d'un chirurgien médiéval afin d'en apprendre davantage sur la médecine de champ de bataille. C'est la première fois qu'on rencontre sur les fêtes médiévales ce type d'animation chirurgicale, car le plus souvent, ce sont des présentoirs. Or, nous avons innové non seulement en exposant des instruments de chirurgie anciens, mais en faisant une démonstration, on peut dire entre guillemets, en live sur un mannequin d'une opération chirurgicale qui a réellement existé sur les champs de bataille. Plus de 1000 personnes étaient attendues durant tout le week-end, l'occasion de découvrir autrement ce site historique de la Haute-Marne.